Notre rôle, il est simple. Aujourd'hui, monter un projet IoT, c'est un projet de transformation, c'est un projet à très fort enjeu souvent pour nos clients. Nos clients ont besoin d'accompagnement pour mettre en œuvre correctement, simplement, de manière efficace ces projets. C'est là où SFR Business intervient, dans cet accompagnement, pour fournir des solutions très concrètes, soit via nos partenaires, soit via nos capacités en propre, pour réaliser le projet de bout en bout. Donc, trouver quelle est la bonne technologie objet, fournir le service qui permet de connecter cet objet et de remonter les données de l'objet vers les systèmes d'information de nos clients, et fournir l'ensemble des briques qui vont permettre à nos clients d'exploiter et de restituer ces données, toujours en lien avec leur enjeu métier et leur environnement existant. Aujourd'hui, la principale demande de nos clients, c'est comment optimiser mes processus et réduire drastiquement mes coûts. Donc ça se traduit sur un très grand nombre de secteurs, mais les secteurs aujourd'hui les plus porteurs, effectivement, sont les secteurs qui sont liés au transport et à la fourniture de services, qu'on appelle les utilities, c'est-à-dire la fourniture des services, eau, gaz, électricité, etc. Donc ce sont les secteurs qui sont aujourd'hui en pointe. Mais on est actif également sur d'autres secteurs, comme la santé, comme la sécurité des personnes, qui sont des secteurs aussi qui justifie effectivement la mise en œuvre de ces objets connectés. L'enjeu, ça va être souvent, quand une entreprise met en œuvre une stratégie objet connecté, ça n'est pas qu'un objet qu'elle connecte, c'est un ensemble d'objets qui peuvent être relativement différents les uns des autres. Et donc nous allons apporter, via notre plateforme IoT, une couche d'abstraction qui va permettre d'intégrer des données venant d'un très grand nombre d'objets différents qui embarquent des technologies différentes au niveau du hardware, du logiciel ou même du protocole de communication. Un certain nombre de clients commencent à passer de l'expérimentation au déploiement industriel. Donc pour nous, l'Internet des objets, c'est extrêmement concret et on voit effectivement et on prévoit que ces fameux projets pilotes ou ces fameuses expérimentations vont être amenés à se transformer dans les 6 à 18 mois à venir. Donc on pense que dans les 2 ans, effectivement, on va avoir un nombre de projets qui va exploser, ou en tout cas un nombre de projets au stade industriel qui va fortement se développer.